Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 16 de Pokémon version rouge feu en random Nuzlocke. Et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va aller se faire l'arène de Parmanie. Donc, let's go, c'est parti, on perd pas de temps, on y va. Et donc, c'est parti, on va se faire les dresseurs du coup. Bon, les dresseurs, on va les faire en accéléré, hein, comme d'habitude, parce que c'est des dresseurs Rwagada. Bon, ça devra le faire. Ah, je lui mets pas beaucoup quand même, hein. Je lui mets pas beaucoup de dégâts, je trouve. Mais bon, ça va, hein, ça passe. Lui non plus, il nous met quasiment pas de dégâts, donc il n'y a pas de souci. Ok, Polichon, par contre, c'est one shot. Ok. Allez, c'est parti, on va faire le deuxième dresseur. Tac. Alors, ça serait cool que Ormassif, il évolue, du coup, dans cet épisode. Psycho. Ok, tu veux te la jouer comme ça, Vanglace. Allez, hop. Voilà. Hop, allez, on a déjà fini deux dresseurs, ça va vite, ça va vite. Ok. Poisson roi. Bon, allez, Psycho, hein. Il fait furie, ça fait presque pas de dégâts, c'est parfait, il est mort, Migalos. Bah allez, Psycho. Hein. Coxyclac, Psycho. De toute façon, on fait Psycho sur tout le monde, ça passe, donc bon. Écoutez, j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Ouh, il a fait pouvoir antique, ok, c'est parfait. Il est mort, yes. Allez, bah encore dresseur suivant, on les enchaîne. On les fait tous à la suite. Hipporoi, ah, ça c'est quand même badass, faut faire gaffe. Ok. Ok, parfait, il est mort. Dynavolt. Dynavolt. Ok, one shot. Niveau 44, ça c'est cool. Ah, mur de fer, il veut apprendre mur de fer. Est-ce qu'on enlève une attaque? Déjà, Psycho, Griffe Acier et Poursuite, on n'enlève pas. Je pense qu'on va enlever Bélier parce qu'on s'en sert jamais. Donc, ouais, autant enlever Bélier. Puis mur de fer, ça peut être utile dans. Si on est contre un tank offensif. Genre un. Genre quoi, il y a quoi en truc badass? Genre un Dracolos quoi. Un Dracolos, tu fais mur de fer après les attaques. Parce que Dracolos c'est un tank physique, il me semble. Hein. Ouais, c'est un tank physique. Mais dans cette génération, il me semble qu'il a quasiment que des attaques spéciales. Ce qui est un peu con. Mais bon, voilà quoi. De toute façon, Dracolos. Ah, il fait intimidation. Je pense pas qu'on va en trouver beaucoup donc. Oula, oulala, faut se calmer. Hop. On va faire feuille magique. Hop. Ok, il passe niveau 35, ça c'est cool. Puis allez, on va se faire le dernier. Hop. Masco. Bon. Il fait mal. J'ai pris un risque quand même là, parce qu'il aurait fait un coup critique, on était mort. On va le faire comme ça, allez hop. Hop, ok. Et Makuita. Non, Makuita, il faut qu'on change. On a plus d'attaque psycho. Hop, tornade, allez hop. Ça, c'est fait. Bon, écoutez. Du coup, on a battu tous les dresseurs déjà. Ouais. Il lui manque quand même 3000 points d'XP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'XP dans les herbes, je pense. Ouais, on va faire ça. Comme ça, il va évoluer avant le champion. Parce que je pense que c'est mieux de le faire évoluer avant. Ouais, mieux vaut faire ça, je pense. Parce que si on se retrouve contre un champion badass, ce qui serait bien, ce qui serait bien. Parce que depuis le début, les champions, c'est pas trop ça, quoi. Ils sont vraiment nuls depuis le début, on va dire. Enfin, à part le premier champion où on a un peu galéré. Mais après, tous les autres, c'était vraiment, vraiment des champions easy, quoi. Donc, voilà, quoi. Allez, on va s'entraîner là, vite fait, du coup. Ok, un Fortress. Faire gaffe, Fortress, il peut avoir explosion. Fais patience. Normalement, on va le tuer, là, donc. Ok, donc son patience, ça servit à rien. Balignon. Hop, ok. Polichombre, ok. Y a pas de souci. Faut qu'on gagne de l'XP. Tant qu'on gagne de l'XP, ça passe. Lui, il va pas gagner beaucoup, par contre, je pense. Hein. Ouais, 230, c'est vraiment nul. Drabi. Drabi, je sais pas combien il va gagner. Ouais, il gagne pas beaucoup. Hein. C'est vraiment radin. Ah, Electek, il gagne pas mal. Dracolos, je pense qu'il va gagner beaucoup. Dracolos, il va gagner beaucoup. Ouais, 700, ça va. Hop. Lui, il gagne pas mal aussi, donc c'est cool. Ok, parfait. On passe niveau 45. Du coup, ça, c'est cool. Il va évoluer. Ok. Bon bah voilà.
on a un magnifique Metalos qui est en train d'évoluer. Attention. Et voilà, c'est un hors massif de compétition Metalos. Voilà. Et bah c'est parfait. Ok, et bah c'est cool. Du coup, on va regarder les stats. Et bah maintenant, je peux vous dire qu'il va être badass. Oh que oui, qu'il est badass. 124 d'attaque, 134 de défense, 110 d'attaque P, 104 de défense P. Et 77 de vitesse. Il n'y a que la vitesse où il dépasse pas les 100. Il est tout simplement cheaté. Mais un truc de oufo. Voilà. Ok, bah du coup, c'est parti. Je pense on va aller se faire l'arène. Ouais, on va aller se faire l'arène. Du coup, attendez, on va mettre qui en premier? Je pense on va mettre Banane pour le faire XP. Parce que c'est un peu le moins XP. Hop. Du coup Metalos maintenant on va éviter de trop l'entraîner parce qu'il est quand même pas mal en avance par rapport aux autres. Donc voilà quoi. On va plus entraîner les autres. On va tous les mettre niveau 45 un par un je pense. Ça va être plutôt cool. Ok, donc allez, c'est parti, on va tuer Koga. Enfin on va tenter de le tuer. Enfin de le battre. Parce que s'il nous balance un truc méga cheat, genre une armée de légendaires, ce serait un peu difficile. Allez, let's go, c'est parti, on lui parle. Mouhahaha, tu oses me défier, moi, le grand, le beau, le terrible Koga. Par l'enfer, par le sang, par l'acier, je vais gagner. Prépare-toi à affronter mes terribles Pokémon poison. Et ben c'est parti, versus Koga. Par contre il a pas de Pokémon poison comme il l'a dit. Parce que c'est random, lol. Latias, et bah voilà. Quand on parle de légendaire, il nous balance du légendaire. Ok. Latias du coup. Latias on va passer sur diamant. Allez c'est parti. Il nous balance du légendaire. En espérant qu'il nous balance pas du Draco Météor. Parce que là ça ferait mal. Balbrume. Ok, ça passe. Ok, il aura fait balle brume. Ok, parfait. Normalement, on le one shot. Enfin, j'espère. Parce que c'est super efficace. Non, on le one shot pas. Il baisse sa vitesse. Ok, on va sûrement attaquer avant du coup. Ouais, on attaque avant, c'est parfait. Ok, Latias, il est mort. Ok, ok, parfait. Déjà ça c'est fait. Hop, après le suivant. Voltali. Ah là, là il commence à nous envoyer des trucs cheatés hein. Il nous envoie. Ça fait deux trucs qu'il nous envoie un truc pas mal hein. Allez, moi j'ai envie de vous dire Voltali contre Pyroli. C'est parti. Ça fait une battle de d'évolution là. Ah sauf que lui niveau 43, ça fait mal. Déjà on va le piéger dans le danse flamme je pense. Ok, vive attaque, ça fait pas mal. Mais rate pas ton danse flamme quoi. Cage éclair, ok. Ouais. Bon. Ok, déjà on l'a piégé dans les danse flammes. Ok. Comme ça il pourra pas switch. Ça c'est une bonne chose. Puis on va y aller au flamèche en. Et tenter de le... Pourquoi pas brûler. Ça pourrait être cool. Et ce qui est bien, c'est qu'il prend les dégâts de danse-flamme en plus à chaque tour. Donc il prend pas mal de dégâts. Ouh, il fait mal. Ouais. Il va falloir faire gaffe. Il est libéré de danse-flamme, ok. Vive attaque. Ok. Allez, encore un coup, après on soigne. On va se soigner, on prend pas de risque. On va se soigner, ok. Ah, il prend une potion lui aussi. Ouais. Du coup. Est-ce que j'aurais pas un anti-para? Appel, ok. Non, on n'a pas de truc anti-para et tout.
Ouais, on va continuer les flamèches pour tenter de le brûler. Ouh, le coup critique. Heureusement que je me suis soigné. Allez, ça serait cool, là, tu nous fais un petit, une petite brûlure, ça serait vraiment sympa. En plus, ça lui baisserait sa puissance d'attaque, donc il nous ferait moins de dégâts. Faudrait vraiment que ça le brûle. On va se remettre une potion. Où elles sont? Elles sont là, les potions. Hop. Ouh, encore un coup critique. Heureusement que je me suis re-soigné, du coup. Allez, là tu le brûles. Allez, on rattaque. Là, il va pas refaire coup critique. Ce serait vraiment trop cheaté s'il refaisait. Mais de toute façon, même en refaisant coup critique, vu qu'il nous enlève moins de 20 points de vie. Oh, c'est cool. C'est ça, c'est cool. On l'a brûlé. Ouais, même en faisant coup critique, logiquement, il nous aurait pas tué. Donc, ça passe. On va se mettre une potion. J'espère qu'il va pas mettre une guérison. Non, il met une hyper potion, donc ça va. Il a toujours la brûlure. Ça, c'est cool. Mais du coup, là, normalement, il va nous mettre beaucoup moins de dégâts. Ouais, il nous met beaucoup moins de dégâts, vous avez vu. C'est divisé par 2. Ça divise la puissance d'attaque par 2, la brûlure, donc c'est plutôt cool. Du coup, vive attaque, ouais, il nous fait presque rien. Je me demande pourquoi il fait pas éclair ou truc dans le genre, hein. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être qu'il l'a pas. Peut-être qu'il l'a pas, mais. Ok, voilà. Pour le moment, on est en train de le gérer plutôt pas mal, le Voltali. Il souffre de la brûlure, ok. Ok, il fait encore vive attaque. Et ok. Bon, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. On l'a eu. Nickel. Il passe niveau 39, Aiko. Ok. Bon, bah, ça, c'est cool. Cadabra. Allez, ça aurait été cool quand même qu'il balance un Alakazam, ça aurait été un peu mieux. Cadabra, avec qui on peut le tuer? Écoutez, on va tenter de le tuer avec Banane pour qu'il gagne de l'XP. On va voir si on prend beaucoup de dégâts. Si on prend beaucoup de dégâts, on va switch. Mais normalement, ça devra le faire. Niveau 39, ouais, ça passe. Je pense que ça passe. Alors il faut lui faire du physique et pas du spécial parce qu'il craint plus le physique. Donc on va partir sur du tornade. Intimidation, ok, déjà il me paralyse. Ah non, il copie chlorophylle, ok. Non, du coup c'est pas intimidation qu'il a fait, c'est un autre truc. Ouh, boum, le coup critique. Ouh, ça fait plaisir. Ouh là là. Ouh, le one shot alors qu'on est à 4 niveaux de moins. Et granivol, bon. Bah écoutez, ça va, c'était pas une arène trop facile parce qu'il y avait quand même deux Pokémon badass. Et un moyen et un pourri parce que clairement Granivol, on peut dire que c'est de la grosse merde. Parce que vous voyez, on a deux niveaux de moins, on a failli one shot. On a failli, on n'a pas one shot mais on a failli. Sport coton, ok, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Poudre de dos, ok, pourquoi pas. Ok, bah écoutez, c'est parfait. On l'a battu. On a battu Koga. C'est nickel. Ranger Tristan, ok. Tu as prouvé ta valeur. Ouvre ta main, car voici le badge AM. Ok, et bah c'est cool. Le badge AM fera monter la défense de tes Pokémon. Il te permettra aussi d'utiliser Surf hors des combats. Attends, prends aussi ceci. La CT06 qui est toxique, il me semble. Ouais, toxique, c'est ça. Cette technique secrète est sacrée et vieille d'au moins 400 ans. Et écoutez, c'est cool, surtout que toxique est une attaque ultra cheatée. C'est une des attaques les plus pétées en stratégie Pokémon. Donc voilà. Parce qu'il suffit de placer toxique et après, imaginez un combo Marcombre toxique. Là, le mec en face, il est mort parce qu'il peut plus, il peut plus fuir et il a les dégâts toxiques qui doublent à chaque tour. Donc en gros, au bout de 5 tours, il est mort. Vous faites, vous échangez abri, soin, et voilà, vous avez gagné. Le combo Marcombe toxique, abri et soin, certain, ça win à tous les coups ça.
Enfin, pas à tous les coups, mais c'est quand même bien badass comme stratégie, ça. Donc voilà. Ok, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on a surf maintenant. Du coup, on va aller faire un petit truc. C'est que on a été chercher vol ou pas? Je sais plus si on a été chercher vol. Ouais, on a été chercher vol. Et est-ce qu'on l'a appris? Non, on l'a pas appris. Du coup, on va apprendre ça à Dracolos. Pas banane, parce que Dracolos, il est mieux quand même. Donc, allez, c'est parti. Du coup, surf, on va lui laisser. Puis ouragan, clairement, on utilise plus souvent Dracorage que ouragan. Hein. Mais au bout d'un moment, Dracorage, ça va devenir nul. Donc, et ça commence à devenir nul, Dracorage. Donc, on va enlever Dracorage. Ouais, on va enlever Dracorage. Ça me paraît mieux. Et on met vol à la place. Comme ça, c'est stabé, vol. Et en plus, vu que c'est physique et que Dracolos, il est plus fort en physique, ça va faire masse de dégâts. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vol. Alors, nous, il va falloir qu'on se rende à Cramoisil. Du coup, pour ça, eh ben, on va voler là. On va voler au Bourg-Palette parce qu'on n'a plus rien à faire ici. On a déjà quasiment visité toutes les villes du jeu. Hein. Il ne reste plus que le manoir et la ligue, clairement. Donc, bah, let's go. On va au Bourg-Palette. Hop, on retourne au tout début du jeu. Le tout début. Hop, du coup on va parler à notre mère. Crawler, tu devrais faire une sieste. Et bah voilà. C'était juste pour faire une sieste, hein, que, enfin pour les soigner quoi, que je voulais faire ça. Allez hop, du coup c'est parti. On se barre. Et let's go par ici. Parce que par ici, il y a une route. Enfin une nouvelle route et on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon du coup. Vu qu'on a surf Shunal 21. Allez, c'est parti. Et attention, 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 qu'est-ce que c'est? Et c'est un mystère, c'est totalement nul. Pour qu'on se le dise, c'est totalement pourri, allez, coupe. Hop, allez, une boule. Ok, on l'a eu, parfait. Alors, comment on va l'appeler du coup? Comment est-ce qu'on peut l'appeler? On va l'appeler Radi, hein. Il a une tête de radis donc on va faire un truc encore plus nul. Vous allez voir. Un surnom bien pourri mais genre vous avez jamais vu aussi nul que ça. Voilà, radis écrit comme ça. C'est Ra qui a dit quelque chose. Ok, c'était moisi, mais on s'en fout. Hop. Du coup, bah allez, c'est parti, on va voir ce qu'il y avait. Tournegrin. Heureusement qu'on n'est pas tombé là-dessus. Ouais, en plus, il a l'air fréquent. Feu forêt, ça aurait pu être bien. Mais non, Titar, ça aurait pu être mieux quand même. Ok. Encore Tournegrin, ok. Terraclope. Ah, Terraclope, clairement, c'était le mieux pour l'instant. Allez, encore 2-3 petites rencontres. Blue petit, c'est un doublon donc on s'en fout. Feu forêve. Ouais bah écoutez, il y a l'air d'avoir que ça. Allez du coup c'est parti, on se casse. On va check du coup maintenant ce qu'il y avait dans l'eau. Parce que l'eau et le sol c'était la même zone. Donc on va voir ce qu'il y avait dans l'eau. Kabuto, ah clairement ça aurait été mieux Kabuto. Mais après niveau 5 ça aurait été un petit peu la merde ça. Kabuto c'est sûrement ce qui remplaçait les tentacules. Parce que vu qu'il y en a la masse. Ouais, franchement, on aurait dû aller dans l'eau, ça aurait été mieux. Mistibule, Mistibule, ça aurait pu être pas mal aussi. Meditica, Meditica, ça aurait été le mieux pour l'instant. Ok. Ouais, bah écoutez, ouais, on aurait dû le capturer dans l'eau, mais c'est pas grave, on a eu un Mystherbe. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Du coup, on a qui en premier là? On a toujours banane, et bah allez, c'est parti, let's go. Fouinette, ok. Allez, on va y aller aux feuilles magiques. Tac, ça c'est fait. Ouh, Brasigali. Ouh, chou, 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 chou. Ouh, chou, chou. Allez, on met Sky Légende. Mon Pokémon favori. Allez, on va lui faire vol. Du coup, on va tester notre attaque. Oh, one shot. Yes, Volcaropode. Volcaropode, on va partir sur du surf. Parce que ça fait mal, surf.
Serpang, on va partir sur du vol. Machoke, bah on va partir sur du vol aussi. Hop. Et Kirlia, on va partir sur du surf. Voilà, nickel. Niveau 40, et bah c'est cool, il a atteint le niveau 40. Du coup, voilà, on va tous les mettre niveau 41 par un, je pense. Ça peut être cool. Allez hop, on va faire surf. C'est long d'utiliser surf, je trouve. Enfin, je sais pas. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est long. Mais bon, c'est pas grave. Vasilis, on va plutôt switch. Ok, parfait. Vibranymph. Hop, on va mettre lui. Ok, parfait, il est mort. Ok, lui, on laisse. En espérant qu'il fasse pas. Ok, c'est bon, il a pas fait l'attaque mortelle, le prélèvement du destin. Et lui, il est mort. Ok, parfait. Ok, bon, nickel. Allez, on refait surf. Ok, ça c'est cool. Allez, c'est parti, à toi. Miguelo, c'est Mello. Ok, pas de soucis. On va partir sur du feuille magique sur lui. Et toi, tu fais. Non, tu vas faire surf sur les deux. Allez, hop. Hop. Et hop. Ok, parfait. Hop, allez, à toi. Rafflesia, ok, tornade. Hop, on repart sur du tornade, ok. Cookie Pearl, pas de soucis non plus. Hop. Ok, bon bah c'est cool. Il commence à remonter un petit peu au niveau notre banane. Parce qu'il était un petit peu à la rue, quoi. Il était un petit peu en retard. Ouh, et l'exprint, ah, ça aurait été vraiment cool de tomber dessus. Pour le capturer, mais bon, vu qu'on en a déjà un, je pense que j'aurais fui parce que j'aurais dit que c'était un doublon et j'aurais tenté de trouver ce qu'il y avait après, mais. Ok, c'est vipère. Ouais, c'est vipère, c'est peut-être c'est une mauvaise idée, hein. C'est super efficace, on va pas tenter. Alors d'ailleurs, hors massif, vu de ce plan sur cette génération, il est très moche, hein, qu'on se le dise, il est assez mal fait, mais c'est pas grave. Il va prendre plaquage, ok, ça c'est cool. Mais il a force et coupe. Force c'est 80, plaquage c'est 85, mais ça peut paralyser. Bon, c'est pas grave, hein. On va pas changer. Oui, n'a pas pris plaquage, ok. Ok, bon. On va accélérer le temps qu'il fasse surf parce que c'est long. Hop, allez, à toi. Tyrannosif, ouh, qu'il est badass le mec. Ouh, qu'il est badass. Je pense que le mieux c'est de partir sur or massif. Hop. On va faire du griffacier. Mania, ok. Griffe acier, ok, parfait. Photovol, bon, on va le laisser, hein. Et un petit psycho. What? J'ai pas one shot. Ok, bon, il s'est fait tuer par la tempête de sable. Il s'est tué lui-même, en fait, parce que la tempête de sable, ça venait de son tir nocif. Donc, ouais, en fin de compte, il s'est tué lui-même. Hop. Allez, c'est parti. À lui maintenant. Let's go. Migalos. Ouais, allez, on peut se le faire, hein. Constriction, ok, bon, il est carrément trop nul. Hop. Allez, hop, à toi. Let's go. Il y a vraiment pas mal de dresseurs, ça c'est cool, hein. Ça gagne beaucoup d'XP. Hop. Un seul lourdeau. Un seul lourdeau, lol. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, le un seul lourdeau. Aïe. Il est parti sur du roulade. Heureusement qu'on le tue avant, parce que. Voilà, quoi, ça fait quand même mal, roulade. Non, mais il est pas sérieux lui avec ses. Oh, tu vas te calmer. Alors, où qui sont les. Je suis certain qu'on avait des. Des antidotes. Voilà, on a des antidotes. Mais sérieux, il sert à rien ce mec. Putain, mais. Ok, on va se la jouer guérison. Parce que ça devient chiant là. Mais putain, mais qu'il est con ce macronium de merde. Vas-y, casse-toi. Putain, mais oh. Faut arrêter là. Sérieusement, c'était n'importe quoi ou quoi.
C'était n'importe quoi ou quoi. Oui, ça fait beaucoup de quoi. Ok, allez, on met lui. On va partir sur du griffacier. Ouh, presque le one shot. Ok. Blindalis, allez, on s'en fout. Hein. On le tue comme ça, lui. Genre, je l'ai pas one shot avec ça. C'est pas grave. Parce que au final, il est mort. Ok, et du coup, on arrive enfin à Cramoisil. On va regarder les PV de notre truc. Ok, 67. C'est parfait. Bah du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait un épisode de 25 minutes. Ah quoique, ce qu'on va faire c'est que du coup, vu qu'on est à Cramoisil, on va pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Eh oui, eh oui, eh oui. On va pouvoir capturer un nouveau Pokémon. Attendez juste, on va check. Là, non c'est pas là, ça c'est... On s'en fout de ça. C'est ici le manoir, je vais juste vérifier que le manoir ce soit... Ouais c'est bien une zone le manoir. Ok donc on s'en fout. On ira dans le prochain épisode capturer dans le manoir. Mais moi ce que je veux c'est capturer un Pokémon à Cramoisil. Parce que là, il me semble que la première ligne d'eau... La première ligne d'eau est à Cramoisil, c'est bien ça. Donc hop, on va chercher un Pokémon là-dedans. Ok, Conconfort c'est le truc le plus nul de tous les temps. Ok c'est le one shot, c'est pas grave. Du coup on va check ce qu'il y avait d'autre. Ok, encore Conconfort, on s'en fout. Farfuret, ah, Farfuret ça aurait pu être ouais, mieux, c'était déjà mieux que Conconfort. Rapace de pique, ah, Rapace de pique ça aurait été mieux clairement. Ouais, Rapace de pique ça aurait été mieux. De toute façon, on l'a pas eu donc au pire on s'en fout. Ah, Scarabrut, clairement Scarabrut ça aurait été mieux. Oh les gens, guillotine. Il est pas sérieux. D'une, j'arrive pas à faire fuite. Et de deux, il fait guillotine et il rate pas son attaque. Alors ça, ça, c'est de la malchance. Qu'on soit tous d'accord, c'est de la malchance. Et écoutez, c'est la première mort. Est-ce qu'on retente de fuir ou pas? Parce qu'il a guillotine là. Ok, on a fui. Ok. Qu'il aille se faire foutre. Du coup, on finit très mal cet épisode. C'est la première mort. Et bah écoutez, au moins comme ça, bah il y aura une mort, hein, parce qu'il y a des gens qui voulaient qu'il y ait des morts, donc voilà, on n'a pas eu de chance, hein. Il a fait guillotine, en plus il a pas raté son attaque, donc bon. Voilà quoi, on va dire que c'est pas de chance. Du coup, on va le mettre là. C'est con parce qu'on était en train de l'XP banane, donc ouais, c'est con, mais voilà. C'est con, mais c'est comme ça. Du coup, on va prendre quoi à la place? Alors, on va trier. Ouais, on va retrier les boîtes. On va mettre tous les biens en bas. Enfin, lui, on s'en fout parce qu'on l'a déjà. Ouais, je pense. J'ai envie de prendre le Electric, mais vu qu'il est shiny, s'il crève, j'aurais bien la mort. Donc, voilà quoi. Je pense qu'on va plus partir sur sur Drabi ou Dracos. Ou alors, attendez, il y a quoi comme type qu'on n'a pas? Ouais. Ouais, bah écoutez, on va partir sur le Drabi. Attendez, quoi que je vais vérifier un truc. Est-ce qu'on a un Pokémon O? Non, on n'a pas de Pokémon O. Et bah écoutez, on peut partir sur Kémorse du coup. Ouais, ça pourrait être cool. On va partir sur... Ah mais non, on a déjà un type glace. Et lui, je l'aime pas. Donc Ou alors on prend un sécateur. Ouais, je sais pas. Non, écoutez, on va prendre Boostiflore qu'on fera évoluer en Piflore. Ouais. On va juste déplacer lui dans le trou parce que j'aime pas qu'il y ait des trous. Ouais, on va prendre lui pour le moment. On va prendre lui, je l'XP'erai sûrement pour le prochain épisode, donc je le mettrai niveau 37 vu qu'il était niveau 37, notre autre Pokémon. Et du coup, non, on va pas faire surf, voilà. On ira capturer du coup un Pokémon sur la route d'à côté, là, sur le chenal d'à côté dans le prochain épisode, et on fera aussi le manoir sûrement. Donc voilà, c'est l'épisode avec la première mort, on n'a pas eu de chance,
Mais c'est comme ça, au moins j'ai envie de dire, il y en a qui seront contents parce qu'il y en a qui voulaient qu'il y ait des morts. Donc voilà, du coup bah moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.